Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit peu, c'est pas cool, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck avant que la vidéo commence, ce qui est très très important. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me soutiendrait énormément et ça ferait sans plaisir. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, les prochains tutos que je peux vous faire, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'importe quoi, venez sur mon Instagram qui est dans la description ou sur mon overlay. Donc on va se jouer le petit deck de Rémi Ali. Un abonné m'a demandé, donc on va tout de suite se faire ça maintenant. Et on se trouve dès que la première game a commencé. Ok, c'est parti, première game contre Ranger. Ok. Ok, on a un petit mineur ici, tranquillou. Ok, on va ignorer l'esprit, on va juste mettre une petite boule de feu ici sur l'arène. Ok. La Valkyrie, ok, il est très bien. Ça me va, on va mettre une petite Valkyrie. Ok, parfait. On a fait une bonne défense sur ça. Ok, on va expliquer les sapeurs. On va voir comment il défend ça. Ok, il défend que d'un côté, il va laisser connecter à gauche. Très bien. Bon. Prix de feu, ok, on va avec le mineur ici. On va le faire assumer. On n'a pas besoin de le défendre. Ok, on rajoute un colis, on va pas le défendre le colis. Ok, on va le défendre. Et là, il est chiant. Ok, j'ai pas le choix de défendre avec une Valkyrie. Ok, parfait. Bonne défense, ça me va. La prochaine fois, on sait qu'il a... comment ça s'appelle ? Un 6, donc du coup on pourra pré-shot, qui esquive le squelette, c'est trop tard. Il se prend un double co. Ok, parfait. Et là, évidemment, on va l'esquiver son séisme. Hein. Au bout d'un moment, il s'agirait de doser. On part pour un croc non plus. Ok. Ok, parfait. On va citer l'arche magique dans le fond du terrain tranquillement, à mettre la gobelin lance au point. Ok, bizarre ça, son canon. Mettre les petits mineurs ici, tranquillou. Ok, ouais, bête bûche de sa part, j'ai rien à dire. Ok, il va cycler une première table. Il va faire comme ça. Parfait. Ok, là, on va faire comme ça, on va le forcer à utiliser sa bûche. Peut être intelligent, le squelette là. Il va perdre sa tour. Parfait. Le pré-shot au cas où. Ok, c'est GG. Première game remportée contre Ranger 9. Nickel ça. Perfecto. Allez, c'est parti dans la deuxième. Ok, c'est parti dans la deuxième game contre l'Alox. Ok. Parfait. Ok, on va mettre un petit mineur ici, tranquillou, vu que les squelettes passent en mêlée, ça peur. Ok, en mêlée, ça peur. Ok, là on a un tranquille free archer, plus une boule de feu gratos. Parfait. Ok, là, va clairement être sur le tour du roi. On peut mettre les petits gobelins lance en pression directement. Ok, mauvais esprit de sa part. Ou
Pour l'instant, on est vraiment bien dans la game. Ok. Je sais pas prendre l'élixir là. J'ai peut-être ça peut reposer pour mettre une petite pression ici tranquille. Pour voir s'il défend. Ok, là, on a rien à foutre, il ignore. Parfait. Ça me va. Ok, il force vraiment de ouf. Donc là, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre mineur. Plus esprit. Ok, très mauvais gain de glace. Et là, on peut mettre la sapeur à droite. Ça, on fait un double push. Ok. Et vous voyez qu'on a mis deux tours à 9, une tour à 1100, une tour à 900. On a pas mal équilibré. On a mis beaucoup de dégâts. Donc, c'est bien pour ça que j'ai voulu faire un double push. Mais la sapeur à droite est pas tout mettre du même côté parce que la bûche, il aurait pu clear tout. Donc, on essaie de séparer un maximum. C'est important. Après, je ne suis pas Rémi avec le deck, je vous préviens, je suis pas le plus boss avec, mais je me débrouille, on va dire. Ok, c'est parti. Mette Valkyrie est en fond du terrain. Là, on va bien évidemment aller boule de feu, 7 mousquetaires. Hop. On va aller mettre les petits sapeurs, le petit mineur. Allez, hop, et là, il pense. Et là, comme ça, on avec la tornade, on peut tuer. La mousquetaire, on va aller mettre les petits sapeurs en pression à droite, à gauche. Alors, c'est la petite bûche, il va prendre au moins un sapeur. Voilà, c'est pas mal. On va mettre une petite table ici. Hop, voilà, je m'en doutais. En plus, il met une mauvaise boule de feu, ça c'est pas mal. Là, ce qu'on peut tenter, c'est ça. Oh, merde, j'ai failli carrément rater le coup à cause de ça. Ok, voyez qu'on ajoute pas les gobelins à lance parce que là, avec une bûche, il pourrait tout clear. On évite. Tiens, moi je peux tenir pas mal de temps là, comme ça. Hop, et on va éteindre la tour tranquillement contre la Lox. Hop, et voilà, une très très bonne boule de feu de ma part évidemment contre la Lox. J'ai dit 15% sur le pseudo, c'est un truc de ouf. Voilà, surtout pour la prochaine game. Ok, c'est parti, troisième game de la vidéo. Ok, quand ça vient, on met les petits sapeurs ici tranquillou. Alors, on peut les split et on peut les envoyer comme ça. Si c'est rapide comme ça, des fois ça peut marcher. Regardez là, voilà, il s'y attendait pas. Des fois, il est pas dans la game, donc si vous avez un stand, soit vous les posez un stand, soit vous les mettez là. C'est mieux de les mettre au middle, mais j'aime bien aussi des fois les mettre comme ça. Ok, on a les gobelins lance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit mineur ici. Ok, parfait. Oh, il met quand même un sorcier. Et tornade, ça c'est relou. Ça c'est plus relou. Ok, c'est parti, petite Valkyrie. Ok, on va mettre la tornade sur la Valkyrie, comme ça moi. Ok, parfait, double connexion de sapeur. Ça c'est cool. Normalement, on n'a pas besoin de défendre. Ça c'est beau. On n'a pas besoin de défendre. Donc là, on peut être tout simplement les maladies. Gobelin lance. Oula, je regardais. Oh merde. Je regardais pas, je sais pas pourquoi. Je suis bugué dans le vide. Une boule de feu. Et on va mettre le placement anti tornade. Ok, le sapeur, ça ne suffit pas. On a la Valkyrie, mais jamais de la garder la Valkyrie, j'ai même une table. Parfait, je voulais garder mon Valkyrie pour la sorcière. Ok, laisse mes gobelins non, ça me va. On vient. Ok, E-Giant, ça c'est chiant. Sachant que j'ai plus ma table. Ah, si je savais qu'il jouait E-Giant, j'aurais pas mis ma table, croyez-moi. Ok, mettre le sapeur. Ça fait très mal. On va bien garder notre table, hein. Croyez-moi, là, on va bien la garder notre table. Ok, parfait. On a la Valkyrie ici. Alors, vous allez voir comment on peut défendre un géant électro avec. Ça peut être intéressant. Ok, on va mettre la... sorcier là. Ok, bien joué de sa part. On va laisser connecter le sorcier. J'avoue que c'est pas vraiment mon premier problème, le sorcier.
Ok, parfait, il tente un spam. Nous aussi on a le spam. Ok, la mine va être parfait. Là on a de la tornade qui nous permet d'aller faire connecter nos sapeurs. Oh, le placement de trois bombes il est là. Vous le mettez ici et le géant électro il va venir. Mais que le géant électro. Ça marche que pour le géant électro. Le golem, le géant, tout ça, ça ne marche pas. C'est important de le mettre là que pour le géant électro. Donc ça fait plaisir. Et puis on part dans cette dernière game de la vidéo contre T-Stay Active. Ok, on va mettre petit gobelin de bord. Évidemment, c'est pas drôle. Bon, ça permet de gratter. Alors, je sais pas ce qu'il joue, donc j'ai préféré garder ma table. Ok, c'est du rooftop. J'ai bien fait garder ma 3 bombes alors. Hop. Bon, ce qu'il y a, c'est que je sais qu'il a pas de séisme au moins. Voir le bon côté des choses. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, parfait. On a fait une très très bonne défense et on peut aller contre push. Et le roi squelette qui ne suffira pas. Ok, qui suffit largement. J'ai rien dit. Ok, ça c'est chiant. Ok, aïe. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix d'assumer les dommages. J'ai carrément pas le choix. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on peut mettre un arche magique ici. J'ai carrément raté mon placement. C'était une case à droite qu'il fallait mettre. Bon, c'est pas grave, il a paniqué. Tant mieux. Dans tous les cas, dès que je scotche jungle le tue, tu mets le truc. On peut aller mettre les sapeurs. On a pu faire des liens encore un petit peu. Il met sa charrette. La Valkyrie, j'ai envie de la garder pour les recrues quand même. La Valkyrie, j'ai quand même envie de la garder pour les recrues quoi. Bon. Ah, c'est ce que je disais, hein, les recrues. Je préfère garder quand même la Valkyrie pour les recrues. Le problème, c'est même pour, ouais, voilà, pour ça. Oh, ça fait tellement mal. Genre, juste aïe là, quoi. Genre, juste ça à dire aïe. Vas-y, remous ça. Là, je dois essayer de garder, du coup, la... Ouais, la Valkyrie pour la foreuse. J'ai pas d'autre choix, sinon je prends trop cher à chaque fois. On va faire comme ça, voilà, c'est la bonne strat. J'ai trouvé la strat. Est-ce qu'il m'a envoyé ce que... Non, ok, on peut aller boule d'œuf alors. Oh, la pire boule d'œuf, quoi. Non, ça va, j'ai de la chatte. Ok, on va essayer de gratter petit à petit. Ouais, j'ai pas joué, essayer de gratter comme je peux. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous voyez, je suis obligé de garder la Valkyrie pour la foreuse, sinon je prends trop cher avec la foreuse. Hop, on peut mettre des gobelins lance impression. Ça c'est chiant ça. Et je peux aller boule de ça, on a le mineur ici. Ah, du coup, je suis con. Ah, je suis carrément débile, quoi. Est-ce qu'il met une foreuse ou pas? Je peux comprendre pourquoi il foreuse pas, en fait. Hop, on va essayer de mettre... Ouais, c'est tant pis. Les sapeurs, je pense qu'on va abandonner. On va jouer différemment. Je pense que la strat que je vais faire, elle va être mieux. Je vais mettre des gros mineurs boules de feu. Ouais, exactement pour ça que je vais mettre des mineurs boules de feu. Et on met notre table. Ok, on va mettre un archi magique. On peut mettre un petit mineur là. Là, j'ai pas le choix.
Et là, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette une autre table? Allez. Ça peut être pas mal, là, une autre table. Et là, on peut tenter des mineurs. Oh, on peut tenter des boules de feu, c'est pas mal. C'est vraiment ce que je propose, là, au final. Je suis carrément concentré, quoi. Ok, let's go. Pas facile tous les jours, les gars. Je vous le dis, c'est pas tous les jours facile. C'est carrément pas tous les jours facile. Donc tant mieux, on aura réussi à gagner. Il avait un gros deck de toxique, le frérot, là. Il avait un gros deck de toxique. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. C'était vrai, cool. Ciao, ciao.